king for a day, a poor boy for July. I hear people say, well, they see me go by, a king for a day. Doesn't sound just like much, but a love of a day made me king anywhere. To know real love is all you need, no matter how long. To hold real love should be your creed, no matter if all goes wrong. A king for a day, a poor boy for the life. Oh, a minute of joy and sheer rest, tears and strife. A king for a day, a sure glory I've seen, but it's better I say than just never have been. To know real love is all you need, no matter if not for long. To hold real love should be your creed, no matter if all goes wrong. Entre nous, comment se fait-il que ce garçon nous donne une somme si importante? C'est une espèce d'héritage. Quand il te donnera l'argent, dis-lui que je penserai à lui dans mes prières, tu veux? C'est très amusant. N'est-ce pas? Alors, à ce soir. T'as besoin d'un renseignement? Tu sais où est le shérif? Le voilà. Il s'en va au cimetière. Dans ce pays, ils n'ont pas le temps de devenir gâteux, les shérifs. Ouais, mais le prochain tiendra jusqu'au jugement dernier. Ah, on dirait les paroles d'un prophète. Seulement celles de Jim Sparrow. Gosier tellement sec que cette bière sera évaporée avant d'arriver à mon estomac. Donne-moi une autre, tu veux? Tout de suite, monsieur. Eh ben, elle en a de la veine. Approche donc, tu en meurs d'envie. Sois le bienvenu, étranger. Une carte? Il a tout l'air d'un gars qui veut se faire plumer de 10 000 dollars, ce citoyen-là. Ça fait plaisir d'arriver dans un pays tout à fait étranger et t'y voir accueillir avec sympathie. Tu sais, j'ai rencontré déjà tellement d'oiseaux dans ton genre.
qu'il me semble que je te connais. Combien pour ce mois-ci? Juste la douzaine. Une douzaine. Mais alors l'aile droite du cimetière doit être pleine. Le 13 m'a toujours porté chance dans la vie, dit Calloway. Encore un idiot qui voulait de l'or, mais qui n'a trouvé que du plomb. Bonjour. Est-ce que Norton est dans son bureau? Oui, monsieur. Mais attendez, où allez-vous? C'est interdit, monsieur Calloway. Mais... 10, 20, 40... Ouais. Oui, quelle surprise! Après ton arrivée, j'attendais de tes nouvelles, mais tu n'aurais pas dû venir à la banque. C'est dangereux qu'on nous voit ensemble. Pour moi ou pour toi? Pour nous deux, Lee. Ah, c'est vrai. Tu es quelqu'un de respectable. J'ai besoin de mon argent. Mon docteur m'a conseillé de changer d'air. La prime commence à faire envie à beaucoup de gens. Je te dois 25 000 dollars, c'est ça? Mm-hmm. Ils sont là. Je les avais préparés. J'étais prêt. Prêt à ajouter à ceux-là 10 autres 1000. Norton, mes 25 000 dollars. Alors, qu'est-ce que tu attends?
Ne tirez pas! On va l'avoir vivant! Je voulais en parler. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes et nous n'avons pas d'armes. Et je dois vous croire sur parole? En quel honneur? Tu connais les frères Douglas? Ils seront pendus demain matin à l'aube. Oh, c'est le fossoyeur qui va être content. Ce sont les frères Douglas qui ont volé une cassette d'or à l'armée. Mais c'est pour ça que nous t'avons suivi. Pour te proposer une bonne affaire. Qui que vous soyez, ces Douglas commencent à m'intéresser. Ah, enfin, c'est quand même prêt. Laissons le temps de manger parce que ça leur profitera. Goûte-moi ça pour voir, Willy. C'est bon. Tu peux t'en aller. Et voilà, votre déjeuner est arrivé et préparé selon le règlement. Poulet, vin, gâteau et fruits. Pourtant, entre nous, c'est pas très logique. Ça vole, ça tue les gens, c'est des assassins, on les traite comme des rois. C'est ce qu'on appelle la justice. Tu peux vérifier, poulet, vin, gâteau, fruits. Mangez ça tous les deux, toi et ton partenaire. Et que les os vous étranglent. T'en veux pas, c'est sûr. Non. Et vous? Non. Non. Je peux encore faire quelque chose pour vous? Ouais, tête d'abruti. Disparaître. Ah, très bien. Tiens, Willy. Nous, on aime ça. On n'est pas fiers. Ah, les gars, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est vraiment mal parti. Mais qu'est-ce que peut fabriquer Slim? Il aurait déjà dû nous avoir sortis d'ici. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il attend donc? Qu'on soit pendus tous les trois. Parlons-en de Slim. Je me doutais bien qu'on avait tort de se fier totalement à lui, notre cher petit frère. Il a sans doute des choses plus agréables à faire en ce moment. De quoi veux-tu parler? De quoi? Mais de ce que tu es en train de penser. Seulement tu ne veux pas l'admettre. Cette femme sera la cause de notre mort. Crois-moi, Anthony. Toi aussi. Juanita? Slim est notre sang. Jamais il ne nous trahirait. Il ne nous laissera pas tomber. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Slim?
Nous avons le temps, William, t'en fais pas. L'exécution a été renvoyée, si tu veux savoir. Ils feront un nouveau procès à Tucson. Pendant le transfert, ce sera un jeu d'enfant de les faire évader. Veux-tu laisser ça? Tiens, prends, c'est bon. L'heure de faire dodo, Pedrito. Excusez-moi si je n'ai pas frappé. Laisse ton artillerie tranquille. Voilà. Très bien. Et maintenant, ouvre cette cellule. Voilà ce qu'on appelle la justice égale pour tous. Installez-vous confortablement. Ami, je ne sais pas qui tu es, mais c'est le ciel qui t'envoie. Alors, tu ouvres la porte? Oh, ne sois pas si pressé. Je n'ai rien d'un philanthrope. Je ne vous tiens pas quitte avec un merci et une poignée de main. Je suis venu vous proposer une affaire. Vos 3 vies contre 50% de l'or que vous avez volé à l'armée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je voudrais bien que tu aies raison. Réfléchis, Anthony Douglas. Bon, d'accord, d'accord. C'est nous qui l'avons volé et nous l'avons atterré dans un endroit sûr. Il y en a pour nous tous. On partagera en 5 par égal. Non. Mais attends un peu. On t'en donne un tiers. Non. J'en veux 50%. Qu'est-ce que vous en dites? Ça marche. Et si vous voulez qu'on reste associé, faites uniquement ce que je vous dirai. Merci. De rien. Ici, l'endroit me paraît tranquille. Occupe-toi des chevaux. Ah, quel plaisir de respirer le grand air. Mais quand même, on a fait une drôle de bêtise en fuyant ce banquet. Allons, avancez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut manger les chevaux. Faut toujours que tu rouspètes. Tu penses qu'à bouffer dans la vie. Il faut bien, il n'y a personne qui va y penser pour moi. Alors, Anthony? Il serait temps de reparler affaire. Où avez-vous caché l'or que vous avez pris à l'armée? Celui qui le trouverait serait bien malin.
dix bonnes journées de cheval. Eh bien, il va falloir qu'on se supporte pendant 10 jours. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va pas bientôt s'en débarrasser? Ça peut attendre. Avant, je voudrais m'amuser un peu. On n'a pas trop de distractions. Le chat et la souris, mais à 3 contre 1. Cette fois, tu pourras peut-être me charger de le supprimer. Non, t'es trop jeune. Whisky pour 4. Oui, va tout de suite. Lâche-moi. La même chose. Elle est à vendre, si ça vous intéresse. Elle est pas mignonne, cette petite espagnole. Je vous la laisse à 3 dollars. Ça n'a l'air de rien, mais ça représente du travail. Alors, vous la prenez? Qu'est-ce que c'est que 3 dollars? Vous faites une bonne affaire, c'est une occasion unique. En ville, vous n'en trouverez guère. Et les rares qu'il y a se vendent les yeux de la tête. Assez! Vous me cassez les oreilles, toi et ta musiquette. Et en fait, beauté, il y a mieux et pour moins cher. Vous l'avez cassé? Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Vous me devez 3 dollars pour ce jouet que vous avez cassé. 3 dollars, vous avez bien compris? Ah, bien sûr, je vais vous la payer. Vous entendez, amigos? Il veut que je lui donne 3 dollars. Qu'il dit? 3 dollars. Mais c'est juste. Quand on casse, on doit payer. Comment tu les veux? En pièces d'or ou en plomb? Comment en plomb? Ne t'inquiète pas, c'était histoire de plaisanter. Si j'ai bien compris, toi, l'ami, tu cherches les ennuis. Et toi, tu les as déjà trouvés, Mexicain? Merci, seigneur. C'est dommage qu'il ait donné un coup de poing dessus. J'aurais volontiers acheté cette petite bonne femme. Pour Pedrito? Pour jouer le soir avant de m'endormir. À propos, qui t'a donné ça? Un certain Paco. Il vient de Laredo. Et maintenant, où est-il? Il habite à 3 000 de la mine abandonnée, une petite maison isolée. Au début, il avait travaillé comme sacristain. Il a laissé tomber et depuis, il vit tranquillement. Merci, aubergiste. J'aime beaucoup les artistes et je vais de ce pas lui faire une petite visite. Ça lui fera plaisir au vieux Paco. Dites-lui bien des choses de ma part. Laisse tes poupées, papa. C'est prêt. Tu as préparé la table comme pour un banquet?
nous sommes que toi et moi, ce n'est pas la peine. Est-ce que ce n'est pas plus agréable de manger sur une jolie table? Même si on n'a pas d'argent, je trouve que ça fait oublier sa misère. Si je ne t'avais pas, je n'aurais plus de raison de vivre. C'est drôle, mais je me suis attachée à cette maison, tu sais, papa, et j'espère que nous ne serons pas encore obligés de la quitter. Non, sois tranquille. Cette fois, nous ne sommes pas prêts de bouger. Peut-être parler trop vite. En fait, j'ai bien peur que nous ne soyons encore forcés de changer de maison. Écoute, Carmencita, ces cavaliers sont des clients importants. Laisse-moi seul avec eux, ma chérie. Tu sais très bien que je ne me sens pas à mon aise pour parler affaire quand tu es près de moi. D'accord, je vais sortir. Non, pas par ici, passe de l'autre côté. Salut. Salut, je suis content de vous revoir. Comment ça va? Georges. Et toi, Peter? Et toi, Anthony? Ça va, comme tu vois, on est encore en vie. Ah, notre nouvel associé, Lee Calloway. Sartana pour les intimes. Ravi de faire votre connaissance. Je crève de faim, le déjeuner est prêt. On dirait qu'on nous attendait. Regardez ça, un vrai gueuleton. Elles vous intéressent, mes petites poupées? Elles font de la musique. C'est amusant, non? C'est moi qui les fabrique, ça occupe mes longues soirées. Et je vis ici tout seul avec ma fille. Et alors l'hiver en particulier, ce travail-là m'aide à passer le temps. Et puis j'aime ça. Cause pas tant. C'est très amusant. Oui, il m'arrive de passer des journées entières après elle. Te laisse pas faire, Sartana. Alors, tu vois bien que c'est un obsédé. Une fois lancé sur ces Espagnols la musique, pour lui couper le sifflet, c'est pas commode, tu sais. Non, continue, ça m'intéresse. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai d'abord commencé à en fabriquer pour amuser Carmencita quand elle était petite. Mais maintenant, elle est grande, alors... Elle a plus besoin de vêtements que de poupées. C'est une jeune fille. Alors je continue à en fabriquer pour gagner un peu d'argent. Laisse-moi, je profite. Hé, hey, rends-moi ça. Donne, hé! Sans mignonne, hein? Pas mal non plus, la pendule. Elle marche plus? Non, elle est arrêtée depuis quelque temps. Dommage.
Vraiment dommage. C'est curieux. Toi qui fais de si jolies petites mécaniques, tu sais pas réparer ta pendule? Eh ben, tu vas faire durer le plaisir longtemps. Appelle-le. Paco, viens ici. Assieds-toi. On a des choses à se dire, tous les deux. Où as-tu caché le magot, hein? Le magot? Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Anthony. Alors, tu ne te souviens plus? Celui pour lequel on a bien failli être pendu, mes frères et moi. Crois-moi, c'est Slim qui l'a emporté. Il m'en a donné une petite part avant de s'en aller, mais c'est entendu comme ça, non? Ça s'est passé le jour où vous êtes tombé dans cette embuscade. Le jour même, je t'assure. Ce qui veut dire le jour où tu nous as dénoncé afin de garder pour toi seul tout le butin. Pas vrai, Paco? Non, non, ça, je n'ai dénoncé personne, Anthony. Je te le jure sur Carmen Citat. Je n'ai dénoncé personne. Demande à Slim. C'est lui qui vous a vendu. Non, non, Anthony, non. Ah! C'est Slim qui a emporté l'argent. Hein? Non, Anthony, ne tire pas, Anthony, non, non, ne me tue pas, Anthony. Debout, Calloway. L'heure est venue d'en finir aussi avec toi. Allons, lève-toi, Sartana. Tu sais que je me demandais, quand tu allais te décider à t'occuper de lui, je ne te reconnaissais plus. Calloway, ça suffit. Le spectacle devient monotone. On en a assez. On en a assez de te voir jouer les terreurs. Montre-lui ce que tu sais faire, Anthony. C'est le moment de changer de musique. On n'a jamais vu les Douglas perdre. Et il est à toi, Anthony. Fais-lui payer tout ce qu'il a fait. Et avec les intérêts pendant que tu y seras. J'ai pas l'intention de m'esquinter les mains. J'ai une idée beaucoup plus amusante. Dégotez-le. Si tu te souviens d'une prière, tu devrais la réciter.
Je me demandais justement à quoi pouvait servir ta dynamite. Maintenant, j'ai trouvé. Je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas pouvoir empocher les 10 000 dollars. Pas trop mal installé? D'ici peu, tu seras mieux. T'as raison, Georges. Si tu veux emmener tes souvenirs, c'est le moment. Rendez-vous en enfer. Maintenant, la société est débarrassée de Sartana. Hey! Vous aviez des armes ici? Non, Seigneur. Mon père était l'homme le plus pacifique que je connaisse. Ici cette nuit. On partira demain matin dès que le soleil sera levé. Oui, on ira où? Du côté de l'or ou de celui de Juanita? Hein? Toi, faut toujours que tu cherches des crosses à quelqu'un. Tu sais que ça commence à mieux faire avec ton joujou. Arrête cette musique, je voudrais dormir. D'accord. Faites beau rêve.
Réveillez-vous, les gars. Surpris. Levez-vous. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Debout, toi aussi. N'ayez pas peur. Je ne suis pas un fantôme. Et je n'ai aucune intention de le devenir. En tout cas, pour l'instant. Mes prétentions sont modifiées. Je me contenterai plus de 50%. Mais tu sais même pas où est l'or. T'avais oublié ce détail? Sans mon aide, tu le trouveras jamais. C'est uniquement à cause de ça que vous êtes encore là. Toi et tes frères. Détachez vos ceinturons. Et n'essayez pas de faire les malins. Lancez vos armes à mes pieds. Voilà, c'est parfait. Il ne faut pas trop te fier à la chance. Elle pourrait bien t'abandonner. La chance et moi, nous sommes de vieux amis. Elle ne me jouerait jamais un tour pareil. Fini! Son cheval avec nous. Ça ne lui facilitera pas les choses. À pied, il ira pas loin. Il est armé, lui. Pas nous. Nous le suivrons à distance, mais sans le perdre des yeux. Pense que nous sommes en compte, les dollars et la mort de Peter. Calloway! Tu m'écoutes? Calloway! D'accord, t'es armé. Et nous pas. Mais à pied, tu pourras pas aller loin. T'as le désert à traverser, tu apprendras ce que c'est que la soif. Je vais te faire payer la mort de mon frère. Et à ce moment-là, il faudra bien que tu jettes tes armes et tes munitions et que tu demandes à boire. Tu seras toujours le bienvenu. Comme tu vois, l'argent n'est pas tout dans la vie. Pas plus que les pistolets chargés. Bon voyage, Calloway! Regarde. C'est celui de Peter. J'en suis sûr. Je le reconnaîtrai entre mille. Moi aussi. Dommage qu'il soit vide.
Galloway! On est là! Youhou! Allez, tire! Feu! Tape le soleil, hein, tout va plus clair! T'es crevé! T'es même plus capable de tirer! On offre tient toujours, tu sais! Tu nous donnes des munitions et on te donne de l'eau!
On va tâcher de dormir à tour de rôle. On ne peut pas relâcher la surveillance. Il finira bien par tomber. Bon, tu prends la garde le premier. Moi, je crève de sommeil. Thank you.
Va encore s'en tirer, tu vas voir. Oh. On le coincera tôt ou tard. Même si on doit le suivre au bout du monde. Il a une veine de pendu, ce salaud-là. Que cette tête ne m'est pas inconnue. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur? Oui, beaucoup mieux. Merci. Que vous est-il donc arrivé? J'ai perdu mon cheval. Et vous avez dû continuer à pied. C'est une chance que vous ayez pu résister ainsi dans le désert, avec cette chaleur. Où va cette diligence, s'il vous plaît? À Laredo. Laredo. Oh, j'en viens. Et voyez-vous, je dois me rendre à Springfield. C'est pas dramatique. Arrivé au prochain arrêt, je descendrai. Excellente décision. Morant, j'ai le prochain arrêt. Vous serez mon hôte jusqu'à ce que vous soyez complètement remis. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Vous êtes trop aimable, madame. Mais il suffira que vous me donniez un cheval et des provisions. Je n'ai besoin que de ça pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Señora. Merci. Nous voilà enfin arrivés. Vous êtes chez vous, monsieur. Pas mal, Solange.
Il faudra bien qu'il s'en aille. Quand il sortira d'ici, ce sera pour aller au cimetière. Chez vous, non? Entrez. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Ah oui, merci. J'ai cru bien faire en vous apportant quelque chose à vous mettre sous la dent. Merci. Vous êtes un ange, décidément. C'est incroyable comme un bain chaud vous remet à neuf. J'en avais besoin. Vous êtes encore très faible pour l'instant, et ce repas léger vous aidera, je pense, à reprendre des forces. Je vous dédommagerai de tout ce que vous avez fait et ferez encore pour moi. Non, je ne veux pas être dédommagée en argent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ma reconnaissance? Votre reconnaissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a peut-être qui croient encore à ces choses-là, moi pas. Mais si tu tiens vraiment à t'acquitter, il n'y a qu'une seule façon de le faire avec élégance. Mais... tu crois pas qu'on ferait mieux de laisser tomber? De toute façon, ça ne va pas rendre la vie à Peter. Et puis, Ronita doit commencer à se fatiguer de t'attendre. Non. Je veux avoir sa peau. Pas question qu'il s'en tire à si bon compte. Et si Ronita, comme tu dis, s'est fatiguée de m'attendre, eh bien, je la tuerai, elle aussi. Pedrito. Viens. C'est prêt. Je t'aime, Juanita. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis prêt même à abandonner ma part de... Pedrito. Bois ton lait. Il fait un temps splendide avec un magnifique soleil. Réveille-toi, paresseux. Oh. Je vais aller te préparer ton petit déjeuner. Oui, merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Il devrait tout de même pas tarder. Et on descendra avec des pistolets vides. Cette nuit a passé comme un éclair, mais j'en conserverai pourtant un souvenir exaltant.
êtes vivant. Tenez-le bien surtout. C'est Lee Calloway et il représente 10 000 dollars. Attention! Ne le laissez pas s'échapper. Cet homme-là est un démon. Tire! $10 000, ça fait beaucoup d'argent. J'aimerais savoir si c'est le prix habituel pour passer une nuit dans ton lit. Je n'aurais pas dû, mais je t'en prie, ne me tue pas. Sois tranquille. Ça n'en vaut pas la peine. Chambre de libre? Pour une ou plusieurs nuits? Ça dépendra. Voilà votre clé. Le 4. Au premier étage. Merci. Parce que si c'est pas nous qui le supprimons, on l'aura à nos trousses jusqu'à la fin de nos jours. Anthony, regarde. C'est son cheval. Tu l'as remarqué, Orange. C'est bien celui que la fille lui a fait sceller. Calloway est sûrement ici. No real love.
Whisky. Où est l'homme à qui appartient le cheval qui est dehors? Au premier étage. Chambre numéro 4. Merci. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Salut, Oudé. Non, au diable! La 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 la. S'il retrouve Jim, il le fera chanter et nous sommes perdus. Il faut qu'on se débarrasse de lui. C'est vous. Soyez les bienvenus. On commençait à se faire du souci à votre sujet. Et en bon état. Elle est là, elle dort. Et Slim? Dans l'écurie. Depuis un moment, ça lui sert de chambre. Ben, le petit frère est en pleine crise. Quand il a des problèmes très graves, il aime bien s'isoler. Mmh. Autant le rassurer sur notre sort. Alors, comment ça s'est passé? Anthony, oh, te voilà, tu as pu t'évader. Est-ce que je suis content de te revoir? Tu peux pas savoir ce que je suis content. Je me faisais du mauvais sang, tu sais. Mais qu'est-ce qui te prend, Anthony? On aurait pu se balancer au bout d'une corde si on avait compté que sur ton aide. Petit salaud! Mais je suis allé à l'arrêt d'eau! J'ai appris qu'on avait décidé de vous conduire à Tucson pour faire un procès régulier. J'avais déjà tout organisé pour vous faire évader pendant le transfert. Raconte ta petite histoire à qui tu voudras. Oh, demande à Paco, il est venu avec moi à l'arrêt d'eau. Il a des tas de relations importantes. Tu veux dire, il avait des tas de relations importantes. J'ai tué ce vieux fou dès ma sortie de prison. Pourquoi l'as-tu tué? Il nous a volé de l'argent d'abord, et puis il a fait des salades. Quelle salade? C'était une crapule. Il a dit que le magot, c'est toi qui l'avais pris. Oh, j'aurais pas cru ça de Paco. Et moi, il m'a dit que tu l'avais caché quelque part avant que tu ne sois arrêté. Mmh. Il a eu ce qu'il méritait. Justice est faite. Et Juanita? Ah, elle va très bien, elle t'attend. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. Elle était très inquiète. Ah oui. Moi aussi, elle m'a beaucoup manqué. Je crevais de désir en pensant à elle. D'ailleurs, je m'étais juré de descendre sans pitié celui qui me l'aurait prise, quel qu'il soit. Je veux la voir. Je t'accompagne. Tu t'en es bien tiré une fois de plus, Georges. Vieille fripouille, va. Eh oui. Et Peter, où est-il? Il est mort. Si nous sommes là maintenant, c'est grâce à lui. C'est triste, je sais, mais ça ne sert à rien de pleurer. Demain matin, à l'aube, nous irons récupérer le coffret. J'en ai par-dessus la tête de sale coin. Je veux partir et changer de vie. Mais avant, préparons-nous à recevoir un de nos vieux amis qui doit nous faire une petite visite.
Et qui est ce vieil ami, Tony? Monsieur Calloway. Ah, oh, c'est une visite de marque, alors. Je vais garder une de ses oreilles comme souvenir. Pose-toi bien, Anthony. C'est pas trop tôt. Écoute, c'est le moment. Cette occasion n'est pas prête de se représenter. Slim, c'est de la folie. Tu sais très bien qu'il nous poursuivra et qu'il nous tuera. Et puis, je ne peux pas exposer la vie de Pedrito. Mais ils le supprimeront sous n'importe quel prétexte. Ton fils est bien plus en danger s'il reste ici. Crois-moi. Ils ne nous trouveront pas. Nous irons loin, dans un endroit sûr. Bon, je veux bien. Je viens avec toi. Mais ne te fais aucune illusion, Slim. J'ai aimé mon mari et je l'aime encore. J'aurais continué à vivre heureuse près de lui, si cette nuit-là... Essaie d'oublier tout ça. J'étais un bandit comme eux à cette époque. Mais j'ai changé depuis. Qui êtes-vous? On va te l'expliquer. Que nous voulez-vous? Les dollars que vous avez mis de côté. Oh, mais quels dollars? Nous sommes de pauvres gens. De pauvres gens? Ah oui. Raconte ça à d'autres. On n'a pas de temps à perdre. Ah, mais je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parlez, je vous le jure! Il est peut-être sourd. C'est ça, c'est sûrement ça. En tout cas, il n'est pas muet, il est braillassé. Mais après tout, ils sont peut-être tous sourds. Voyons un peu, toi non plus, t'as pas compris ce qu'on cherche. Tu es sourd aussi. On veut savoir où est le magot. Allez, tu te dépêches, j'ai pas de patience. Je vous jure sur la Vierge del Pilar que nous n'avons pas d'argent. Attends, ils nous ont pas reconnus. Ah, mais c'est vrai, Anthony. Nous avons oublié de nous présenter. Eh oui, quand on arrive chez quelqu'un, les bonnes manières veulent que l'on donne son nom. On est les quatre frères Douglas en personne. On sait que vous avez vendu vos terres au chemin de fer. Où avez-vous planqué l'argent? Ah bon, on va commencer à fouiller par là. Non, non, ma femme est souffrante. Ah! Lâchez-moi. Viens avec moi. Non, Seigneur, je vous en prie, laissez-moi. Oh, laissez-moi ici. Non, ne faites pas ça, par pitié. Ne touchez pas à mon fils. Je ferai ce que vous voudrez. Alors prends-le et viens avant que je ne change d'idée. Tiens, t'avais raison, j'ai trouvé leur argent. Non, il va tuer Pedrito. Non, vous ne l'emmènerez pas. Non, non. Fous-moi la paix. Il est mort. Allez, suivez-moi. Allons-nous-en. J'ai trop souffert. Je ne peux pas oublier. Et je ne sais pas si un jour je pourrai devenir la femme que tu souhaites. Oui, tu as raison. Je comprends. Mais avec le temps, tu apprendras petit à petit à m'aimer. Pedrito,
Viens, mon trésor. Slim, où es-tu passé? Slim, Juanita, où êtes-vous? N'avance pas, George. Sinon, je t'abattrai. Écoute-moi, Slim. Tu n'es pas de taille contre Tony. C'est de la folie. Rentrez à la maison, ramène-la. Je ne parlerai de rien. Écoute-moi, Slim, si tu veux pas te faire descendre. Fais-le pour l'amour de moi, Slim. Il a raison. Va-t'en. Va-t'en, George. Je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Trois. Voilà, Anthony. Tu le feras payer cher. Où est-il? Derrière ce rocher. Slim! Slim, ne m'oblige pas à te déloger par la force. Va-t'en, Anthony. N'insiste pas, Juanita m'a choisi. Va-t'en et laisse-nous tranquilles. Nous ne te céderons plus. Très bien, Slim, tu l'auras voulu. Je te dis que je descendrai sans pitié le gars qui oserait me la prendre. Et je le ferai. Même si c'est mon frère. Aide-moi. Ce n'est pas 75% de l'or que je veux, mais 100%. Cette fois, il m'a eu, Anthony. Maintenant, nous allons régler nos comptes, Sartana. Tu as tué deux de mes frères. Le dernier des Douglas va t'abattre comme un chien enragé.
Qu'est-ce qui se passe, Anthony? Tu as perdu ta langue? Je jette mon revolver. Tiens, ne tire pas! Tu vois ce que c'est d'avoir peur? J'ai été piqué par un scorpion, Sartana. J'ai besoin de mon couteau. Coffre, s'il vous plaît. L'essentiel pour le gouvernement était de rentrer en possession de ce pli cacheté. Cet or est la juste récompense pour la réussite de votre mission. Vous avez 24 heures devant vous pour quitter cet état. Adieu, Calloway.